Ça si y est, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont déchaînés, ils font les foufous. Hop là. Voilà, c'est reparti en normal. Ça va à moins que tu me fais la gueule. Mais non, mais non. Moi que Wizbot me fait une... Pourtant, je n'ai qu'un point d'interrogation pour la question. Aimes-tu les bananes? Aïe, 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 on les a perdus. Bon, alors, il y a Torota qui me disait que je suis rentré dans une zone vachement intéressante. Ah, parce qu'en fait, Dragon Cave, il fallait que tu colles le point d'interrogation à Banane. C'est pour ça qu'il n'a pas... Ah oui. Ah, ben voilà. Non, je ne sais pas, ma base de données est vierge pour ce type d'enregistrement. Oula, c'est quoi les créatures là que je vois? M'en parle pas. Je ne sais plus moi-même. Où est-ce que... Cette espèce de feu vert, d'espèce de feu vert, ça fait du feu ensorcelé, comme on dirait. Ouais, turquoise, ça me fait, tu sais, penser au cuisinaire à gaz. Ouais, ouais. Mais moi, ça fait toujours flipper en voyant ça, ce type de feu comme ça. Oh, c'est psychédélique. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur le bien, côté ça, comment dire, en termes de danger, ça annonce bien la couleur, comment dire. Ouais, bien dit. Il faut juste prier que j'ai pas... Attends, lui, il va me les briser, pardon. Mais que tu peux pas, encore une fois, dans un piège de lave. Oui, et pas de ghast, pas de ghast. Oui, ouais, parce que ça, c'est pire. Exactement. Et la cochonnerie. C'est la canonnière des enfers, les ghast. Oh, t'as vu le piège? Le petit plus et... Un petit plus qui devient un grand moins. Même moi avec un si faible niveau, je pourrais jamais... Hey, maintenant, Wizbot, il m'agresse, il me dit à moi, va te faire cuire un œuf sur un arbre. Ah oui, mais là, tu l'as cherché. Faut pas trop provoquer Wizbot parce qu'il s'énerve très vite. C'est ça. T'es en train de faire surchauffer ses circuits là. Attention. Il finit par mal parler. Non, il était gentil, du coup il retourne sa veste. Voilà, pour dire que maintenant je passe en mode méchant. Oh, on en fait ces trucs de nos jours avec les intelligences artificielles, ça part dans tous les sens. Oui, et en plus avec la guerre. Ouais. Surtout avec la guerre du chat GPT en ce moment, voilà. Alors, faut expliquer, pour ceux qui connaissent pas, il y a effectivement une de ces intelligences artificielles qui se distingue, et pas forcément quand bien, actuellement dans la presse, c'est le fameux chat GPT, qui vous permet de rédiger un texte de manière automatisée, une thèse, parfois, carrément, des rédactions... Oh ben j'ai pas besoin de ça, hein. Je veux dire, je fais un P, c'est bon, j'ai pété quoi. Mais qu'il est bête. C'est pas le moment de me dire ça, je suis entré en guerre, mon pire cauchemar vient d'arriver, vient d'apparaître devant moi. Wow, pour maintenant, j'ai sans faute, j'ai plus de... Oui, merci pour le... Merci. Merci pour le merci. Donc chaque GPT qui génère des textes parfois allant jusqu'à carrément jusqu'à la thèse, bah il y avait les professeurs qui étaient déjà vénères contre Wikipédia, les élèves qui se cassaient pas à faire un copier-coller à partir de l'internet et qui faisaient rien en fait de leur rédaction par eux-mêmes. Et ben ChatGPT pose à nouveau ce problème. Il y a une université récemment qui s'est rendu compte du pépin parce que sur un sujet soumis à une vingtaine d'élèves, il y en avait près de la moitié qui avait la même structure de réponse avec soi-disant un exemple personnel d'un grand-père, voilà, je ne sais plus quoi était le sujet. Et c'est là où effectivement un des profs a fini par se rendre compte du subterfuge. Et de l'explication de pourquoi tout le monde s'était inspiré du même modèle sans qu'ils aient pu se copier les uns les autres. Et voilà. Bon.
Mais non, non, les intelligences artificielles, ça va loin. Ils me brisent. Ah, merci. Mince, je voulais faire une capture d'écran quand il mourait. Parce que ça aurait fait une très belle capture. Ah. Oui, j'aurais dû prendre la soupe que tu viens de m'offrir. Merci, FunFan. Attends, ce qu'il faut. Ah, t'as rejoint le jeu, Dragon Sky. Cool. Je me sens moi seul. Merci d'être solidaire, mon cher Dragon Sky. Bon, je jette mon. Oh. Oh, attention, il y a un trou qui est tout proche. Ah bah oui, je suis à côté d'une brèche. Ouh, 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 ouh. Au secours, maman, j'ai peur. Bon, c'est intéressant. Si je veux récolter du sable des âmes ou... intéressant, ces enfers. Je trouve que là, c'est... ça s'est bien dessiné, ça me plaît. Par contre, Park Fortress a vu. Je sais même plus... Enfin bref, je sais pas. Un jour peut-être, à force d'errer dans les enfers, on finira par trouver les Fortress. Alors, monsieur, hein, bon, je suis en règle, je suis en or comme vous, je suis des vôtres. Ah, tant de subterfuges. Ah non, mais non, mais hein. Bon, ça va, c'est pas un sanglier. Parce que les sangliers, ils me font flipper, les sangliers. Les sangliers me font flipper. Oyez, oyez. Oh, il y en a un là. Faut surtout pas qu'il me voit. Faut surtout pas qu'il me voit. Je veux pas finir pataté par un sanglier. Oyez. Burp, burp, burp. Je vais essayer de progresser dans la forêt sans croiser la route des... Ah non, mais non, là c'est la mort, faut pas que j'aille par là. Non, bah je suis obligé de croiser les sangliers, moi, si je progresse dans le... Ah, je peux peut-être aller par là. Faut pas que j'avance trop vite. Il faut surtout pas qu'un sanglier me tombe littéralement dessus. Sinon, je suis voudu. Là, c'est la mort, je crois. Ah non, c'est pas la mort. Torche. Il faut que je dise que je suis passé par là. Il faut que je puisse le voir. Dites-moi... Oh, 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 oh. Non, c'est pas un sanglier. Je me méfie de tout ce qui bouge. Oh, c'est beau. Regardez-moi ce tableau. Sympa, la lave qui coule. Oh là là, oui. Et elle peut couler. Il y a l'air d'avoir un plateau supérieur. Il faut que je fasse gaffe. Jusqu'où ça mène. Est-ce que je peux aller en haut? Oh là 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 là, le stress. Aïe aïe aïe, non. Oh là 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 là, c'est pas le bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. J'ai les foies. Je vais plutôt passer par là. Parodie totalement. Enfin, parodie, non, chanson complète totalement improvisée. Pas de sanglier. Alors le sanglier, je vais le mettre plus cher dans la boutique. Parce que je me souvenais pas qu'il était aussi coriace. Il y aura une forte probabilité à ce qu'il me déboîte. Donc je vais le mettre bien cher, le sanglier. Il va prendre de la valeur. Oui, je regarde rapidement dans le chat si vous écrivez des trucs. Oh, il y a la forêt en contrebas, mais... Ça aussi, ça mérite une capture d'écran. Il y a une perspective qui donne des frissons. Ah, là, c'est une troupe en faction. Pas de souci. Ah, il m'a dit bonjour. À ces messieurs, je réponds bonjour. Alors, attends, je mets une torche là pour dire que... Attends, oui, non, une torche que je... Il faut passer par là.
passer par là. Faut que j'ai toujours une... Merde, il y a un sanglier en face. Menace en vue. Bifurqué. C'est quoi? J'ai vu quelque chose bouger. Si vous êtes un homme cochon, sortez les mains en l'air. Bon, j'allais pas dire agitez votre queue en tire-bouchon. Ça aurait été indécent. Merde, on voit pas les torches. Oh, m'a fait peur. Bonjour monsieur. Oh, merci Dragon Sky. Le... Voilà. Oh oh oh, sanglier de mes deux. Je m'en Touf, je pense qu'il tombe à qu'il tombe pile au bon moment. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Merci, c'est pas perdu. Mais si je croise un sanglier, je l'aurai dans le U. Non, je peux pas progresser. Là, je suis en train de m'encastrer dans le décor. D'ailleurs, peut-être que ma progression va s'arrêter ici parce que. Ah non, il y a l'air d'avoir un... Oh, est-ce qu'on peut appeler ça un passage? Nope. C'est quoi ces cubes rouges, au fait? C'est quel type de... Bah, t'as de la Netherrock, qui est la roche des enfers classiques qui s'enflamme, qui est recouverte d'une mousse, l'équivalent du gazon dans notre dimension normale. Et les semblants d'arbres que tu vois avec les cubes lumineux, avec des lianes, c'est des verrues du Nether qui ont atteint leur taille adulte. Donc ça devient des arbres, en fait, les verrues dites du Nether. Les verrues du Nether... Non, là, alors celle-là, faut que je la pète parce que je peux pas passer, là. Ma tête, elle se cogne. Alors... Merde ! Il y a un sanglier, alerte rouge. Il m'a vu. Ah ! Ah ! Le scénario catastrophe a lieu... Je peux pas passer par là. Ouais, oh non. Je suis sanglier. Non, mais je peux plus progresser, il y a trop de sangliers. Alors le pire qui pourrait m'arriver, c'est qu'il y ait un sanglier qui se promène dans ma trajectoire de retour. Là, je serai dans la mouise, qu'on se le dise. Là aussi, je vois mal les torches. Je devine que j'étais quelque part par là-bas, mais... Oh, vous me faites peur. Merde. Ah oui, ma torche, elle est là. Ma torche, elle est là. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien. La chanson de... Je vais dire Dikaku. Danny Bonne. Danny dada 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 dodo Danny Boone, le plus rigolo de tous les ch'tis. Magne-toi tes fesses, je veux pas me faire encorner. C'est pas du tout programmé, enfin souhaité. Et je cours. Oulalalala. Il ne m'a pas vu. J'étais pas loin à l'origine, j'étais où? Bonjour messieurs, vous arrivez une torche posée s'il vous plaît? Je recherche mon chemin, je l'ai balisé mais je me retrouve plus. Ah, au secours! Au secours! Je vais me faire déboîter. Oh, il m'a vu! Oh, le petit Siwen. Je crois que j'avais des torches là-bas. Oui, c'est là d'où je viens. C'est ça. Mais ça va pas? Non, mais l'autre, il était dans les flammes. Bah alors, vous avez trop froid, petit homme cochon? Quoi? Au secours, j'entends le... Oh! Je rêve ou il a tiré? Je ne sais plus ce que je vois. Bon, bref. Oh, j'ai gagné un arc. Bah, elle est bonne, celle-là. Quand j'ai fait mon affaire. Alors, réfléchissons.
avant de sortir des enfers, est-ce que j'essaye de récolter quelque chose ou pas? Je vais peut-être revenir sur mes pas, essayer de récolter la belle roche noire. Et il va y avoir une prise de risque parce que il y a des poches de lave proches, enfin proximité. Parce que je vais pas rentrer des enfers les poches vides. Autant rentabiliser. Ce serait dommage. Ibi. Ibi, ibi, ibi. Ben là, déjà, j'ai de la roche noire. Est-ce que je suis loin de mon coffre? Je sais plus. Oh! Il y a un énorme cube de magma qui bloque. Est-ce que je peux... Non, je peux pas. Non, 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 je peux pas. Merde, j'ai fait une énorme boulette. J'ai fait une... Ah! Ah, t'as fait une boulette. Oui, je vais peut-être être cuite en boulette. Bon, la soupe à champignons qui va me sauver. Je vais attendre de me régénérer, forcément. Je vais en profiter pour boire un coup. Terrible les enfers, terrible. Mais les enfers forgent les meilleurs combattants. Tiens, d'ailleurs, pardon, mais le bol, je vais pas le garder, je vais le cramer dans la lave. Hop, c'est biodégradable, biodégradé. De manière instantanée. Blop. Mon armure, pas mal. Je vais pouvoir garder mon armure d'or pour le... Nirdoum. Ah ouais. J'ai vraiment la lave au-dessus, quoi. Ah oui, on voit sa sointe. Et là, je peux, d'accord. Il ne faudra pas que je creuse tout non plus, parce que... Oh! Ah, Torota nous a rejoint. Ouais, Torota. Ça fait plaisir. Oh! Ah, mais attends, du coup, je peux neutraliser la lave. Ça fait mon affaire, cette histoire. Aïe! Quel idiot, j'ai mis le pied là où il fallait pas. Bonsoir, Torota! Attends, je te dis bonsoir après, parce que je suis dans une... Torota qui te répond directement dans le... Moi aussi, par politesse. Bonsoir, Torota. Oh mince, j'écorche le pseudo. Torota. Rebonjour, rebonsoir, hello. Rebonsoir, Nayonet. Rebonsoir. Ça va toujours. Ah, je vois qu'il est toujours dans les grottes, notre ami, ouais. Le sage. Ouais. Et les trucs marron et orange fluo, là, c'est de la lave? Oui, c'est de la... Ils appellent ça du bloc de magma. D'accord, du bloc de magma. Oui, si je mets le pied dessus, je me brûle. Les petons. Entre autres. Mais oui, les petons. Les petits petons. Ok. Fun, j'ai... Est-ce que tu as téléchargé le truc? Moi, je l'ai téléchargé. Le chose, super. Le machin, le schmilblick. Le bidule, la chose. T'expliques comment pour l'installer? J'ai essayé de comprendre l'installation, mais j'ai pas tout compris. Alors, déjà il faut décompresser. Je l'ai fait. Ensuite, il faut prendre le dossier game, le fusionner avec le dossier game du jeu. Donc, tu le déposes dans le dossier Star Wars Galactic Battlegrounds. Donc, ça va fusionner avec le dossier. Tu mets fusionner et tu mets ensuite remplacer. Et ensuite, tu lances le fichier config. Mais attends, déjà fait la fusion. Alors, attends, ouais, on va. Je reste bouche B parce que je vois. Donc, en premier, je prends. Ah, c'est quoi ce monstre, le sage? Je connais pas. Je sais pas ce que c'est comme. Alors, en premier, tu prends le dossier game en majuscule que tu as dans le décompressé.
Je vais le prendre, oui. Là, non, c'est pas Fight Amazon, ça aurait pu, mais non. C'est lui. Voilà. Ça y est, j'ai retrouvé le dossier game. C'est bon. Alors, attends, c'est dans le game, donc il devrait s'appeler Star Wars. Ah non, Star Wars. Ah, le dossier du jeu, d'accord. Dans le dossier du jeu, carrément. Et ça va fusionner. C'est quoi ça? Il doit fusionner avec le dossier du jeu qui s'appelle Game aussi. Il fusionne. Pas dedans, mais fusionner, carrément. Il faut que je. Faut que je mette le dossier game ensemble. En fait, c'est simple. Est-ce que tu es dans le dossier du jeu là avec il y a marqué support, clone campaign, game, install. Les dossiers là, tu les vois? Ah, celui-là. Ah, tu m'as fait peur. Ouais, ouais, je le vois, ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu sais faire un glisser-déposer? Oui. Donc, ok, va faire un glisser-déposer dans la zone blanche de ce du dossier du jeu. Et ça va te proposer de fusionner game. D'accord. Alors, donc, je dépose le patch dans le dossier game, ok. Non, pas le patch, le. Oui, enfin, oui. Le game majuscule. Oui. Voilà. Le dossier game en majuscule dans le dossier game, dans le dossier du jeu. Et ça va fusionner game. Ok, ok. Ça va. Ici. De toute façon. Ah. Oui. Ouais, ça y est. Ah oui, il me propose, je fais de tout remplacer. Je lui dis remplace voilà. Tous les fichiers. Tout fusionner. Voilà, vas-y. Remplace tous les fichiers, ouais. Oh, c'est dingue. C'est waouh. Je crois qu'il a fait, c'est bon. C'est rapide. Eh. Ouais. Ok. Ensuite, tu vas dans le dossier game que tu as fusionné. Il y a un troisième exécutable qui s'appelle Battlegrounds, pas X1, mais X2, tu le vois? Alors, attends, ouais. Ouvre-moi ça. Oula. Alors, où il est ce fichier game là? Dossier game. Dans paroisse, game. Voilà, on y est. Tu l'ouvres, ensuite il y a le machin qui s'appelle configurator.exe. Configurator. Là je vois. Alors, configurator, il est où? Alors là, je viens juste d'ouvrir le dossier game. Hein. Voilà. Ah, configurator.exe.manifeste. Non, celui, l'autre, configurator tout court. Alors, si t'as pas les. Configurator, il est juste au-dessus. Ouais, je le vois. Double-clic dessus. Ok. Il s'installe. Voilà, faut attendre, il y a une barre verte qui progresse. Ensuite, quand c'est bon, c'est fait. Et là, je vais vérifier si GameRanger prend en compte l'extension. Mais à mon avis, c'est possible, hautement probable. Donc là, c'est bon, je vois le truc qui est ouvert, effectivement. Je vérifie un truc, hein. Option. Oh, il me propose 1920 par 1980. C'est cool. C'est ça qui est beau. Ok, alors attends, je vais essayer. Campagne. Battlefront. Alors donc. Il le propose pas dans la liste de Game Ranger, ça va être compliqué ça. Aïe. Je vais lancer. Attends, je vais faire un test. Bonjour Devil Olive, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. La résolution, c'est bon, tout le reste. Bonsoir Devil Olive. Bonsoir Devil Olive. Je fais un. Attends, je vais faire un. Je vais faire un. Attends. Salut Devil. Olive. Divide. Vérifie. Alive. Une fois je passe. Ça va fort bien, merci. Une fois, tu te souviens, là, le Québécois, là, il avait dit débile Olive. Je me souviens. Soupir. Ah, c'est pas Docteur Boutique. Il trahit ce traducteur. Bon, plus que j'utilise. Un jour, il va dire Dragon du désert. Je récolte un max de roches des enfers. Ok. Donc, il ne propose pas. C'est emmerdant. Pardon, excusez-moi de la grossièreté, mais c'est emmerdant. Non, Game Ranger, il ne propose pas. Oulala. Donc, on a une deuxième barrière. Enfin, il faudra passer par Amashi avec la manip qu'on fait sur Edge of Mythology. Aïe, aïe, aïe. Oh mon dieu. Et puis, ça ne veut pas dire que ça va régler le problème de réseau. Hein. Oh. Le destin s'acharne. Ah, j'ai trouvé Fun. Attends, j'ai trouvé. Décidé autrement. Oh la vache, c'est la mort. Attends. De toute façon, à 21h ou vers 21h, je devrais y aller. Oui, oui, pas de soucis. Oh, des chasseurs de tête.
mais je reviendrai aux alentours. Fais le test. De 22h. D'accord. Trop dangereux le truc. Je teste. J'ai, apparemment, j'ai trouvé le patch pour le. Oh la vache, il m'en fait peur. Pour l'extension numéro 1. Aïe. Prends des flèches. Aïe aïe aïe, ça pique. Ça marche pas. Ce sont des cendres. Ce sont des cendres, Devil Olive. On peut même pas faire de la pluie. Hein. J'ai un groupe de vendeurs à mes trousses là. Crotte de pique, la sauce de pique. Les vendeurs, c'est comme les bandits, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais pour chasse. C'est de la cendre chaude. Ah, comme si on était à l'intérieur d'un volcan, en fait. Au secours, j'ai des vendeurs aux fesses. Ah, mon Dieu. Regarde, là, on voit les côtés dangereux. On a une belle vue sur l'enfer. Pas mal. Ouais. Il me pourchasse. Il m'a pourchassé. Il me pourchasse encore. Au secours. Rebonsoir, Edge. Rebonsoir, Edge. On est en train de mettre un patch HD du jeu pour régler les problèmes, Edge. Moi, je suis en méga stress parce que là, je suis... Si tu veux, je te l'envoie en privé. Pourquoi t'es en méga stress, Dragon Sky? Parce que j'ai des vendeurs qui sont à mes trousses. Ah. Les vendeurs, ils veulent te vendre quoi? Des aspirateurs? Non, les vendeurs, c'est des bandits. C'est des bandits. Oui, les arbalétriers, là, les visiteurs, moi, ils me font penser aux visiteurs. Pourquoi le faux configurateur se paie de ma tronche? Oh merde, il m'a repéré lui. Ah, c'est peut-être ça. Je l'entendais. Tu regardes. Ah, elle est pas enchantée, mage, ça se voit. La jambe bas. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas le bon exécutable. Alors attends, est-ce que je vais tricher en faisant ça? Je vais tricher en faisant ça, tiens. Non, ben non, les bûches, je vais les garder. Je vais les garder en dépannage ici. Je vais rentrer avec ça. Ça. Ah, ça marche. Ce bio des vendeurs. Ils sont très vénères, les vendeurs. Ok, je vais changer l'exécutable. Edge revient dans 15 minutes. Nous dit-il dans le chat. Ah oui, c'est peut-être le bon. Est-ce que c'est le bon? Oh, il veut pas. Alors, je vais être malin. Je vais être plus malin que le Game Ranger. Ah non, c'est Torota, ouais, pardon. Torota, bien. Chasseur d'ombre. Double succès en plus. Wow, ah bon? Ouais, je le vois dans le chat. Dans le Discord. Il a eu le succès Husband Dry et Monster Hunter. C'est-à-dire qu'il a récupéré de la bouffe en tuant un ennemi, en plus d'en avoir tué un. Hein. J'ai triché. Est-ce que j'ai réussi à tricher? Bon. Attends, je vais détendre mes jambes là parce que je finis par avoir mal. Fun fan. Il va falloir faire une manipulation. Le test. Donc, il faudrait renommer un fichier. Le fichier de l'extension. Je suis sûr qu'il y a un truc au-dessus. En X3. Et renommer le X1 en X. Attends, j'ai n'importe quoi. Un pillard carrément. C'est même pas un Wonder, un pillard. En plus, c'est les pillards qui m'ont pourchassé. Ils m'ont dépouillé. Les salauds. Et ça fait partie du jeu. D'accord, oui. D'accord, je vais m'occuper du fichier à renommer là. Ok, vas-y. Alors le X1, faut le renommer en X3 par exemple. Je vais partir endormir, faire dodo. Moi j'y vais tout de suite. Alors, je reprends les fichiers du jeu qui démarrent. Alors tu m'as dit X1, il faut le renommer en X3. Par exemple, en X3. Ouais. Alors, c'est X logo 1, c'est ça? C'est le X1. Je l'ai renommé en X3. Bah, il faut que je le trouve, je sais pas où il est, moi. Bah, dans le dossier du jeu game. Bah, je suis dans game. Mais j'ai pas. J'ai juste Pro ou X logo 1. Battleground. Tu fais quoi en fait là? Tu fais quelle manipulation? Je suis dans game, Star Wars, Galactic Battleground, game.
Voilà, donc voilà, il y a trois exécutables, Battlegrounds, Battlegrounds X1 et Battlegrounds X2. D'accord, ouais. Moi tu m'as dit le X, j'avais pas compris. Le X1, tu renommes en X3 par exemple. D'accord. C'est fait. Ah non, le X... Ah si, c'est bon, pardon. Et le X2, tu le renommes en X1, enfin la fin, le Battlegrounds X1 en X2. Non, attends, je suis trompé, dis rien, tiens. Ah bah... attends, ne bouge pas. Tu renommes Battlegrounds X2 en X1. Donc le X2 en X1. Okay. Voilà. Oh, j'ai quasiment plus de... Voilà. Voilà, maintenant ça c'est fait. Tu vas aller dans Game Ranger. Bah, t'y es déjà. Tu vas aller dans Edit, yes. Options, dans le menu, dans les barres de menu en haut à gauche. Dans Edit, dans Options. Ouais. Et tu cherches Star Wars Clone Campaign. Campaign. Alors. Dans la liste. Ah, S. Alors. C'est plutôt vers le bas. Okay. Ouais, je suis sur tous les. Alors, je vois Star Wars Galactic Battleground. C'est celui-là. Bah, c'est juste au-dessus, non. C'est Star Wars Clone Campaign. Clone Campaign. Ouais, c'est celui-là. Tu fais Browse. Browse, en bas à droite. Voilà. Et là, tu sélectionnes le fichier, le X1, celui que tu avais renommé. Le singe, avec la tête de Trooper, quoi. La carte. Le Trooper de l'Empire. Tu fais OK. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir lancer une partie. OK. Voilà, c'est fait. Normalement. Et tu vas faire un truc. Attends, je vais essayer un truc. Ouais, on va essayer le... Et là, est-ce que tu veux essayer... Attends, je réfléchis. Hé, hey, 17 crèmes de magma. Réfléchis. Pas mal. C'est pas pour me dépêcher. Attends, je réfléchis à un truc. Non, réfléchis. J'ai fait ça. Ça, c'était le 2. Alors, faut que je vérifie. La poudre lumineuse, je vais la mettre là parce que c'est plutôt associé aux enfers, le nether. Voilà, comme ça. Ah, par contre, le. Oui, bon. Ça n'a que peu d'importance. Il me faut du bois, mais bon, c'est. On va tenter comme ça. Je vais rester dans le monde normal. Allez, les enfers, c'est fini pour aujourd'hui. Bah, je t'ai invité à la partie. On en a eu une sacrée dose. Je réfléchis à mon tour. Bois bambouseraie. Normalement, ça va marcher. Lance une partie. Si ça marche pas, c'est qu'il faut faire une manipulation. Non, je suis trempé. Attends, cancel. Bon, attends, pour qu'on quitte, mais pas la salle, hein. Juste le jeu. D'accord. J'ai gagné le jeu, c'est bon, c'est fait. Game option. C'est pas Restore Savings. Ok. Alors, il peut y avoir une fausse manipulation, mais je changerai ça en cours de route. C'est de mon côté que je la ferai, la manipulation. Ok. Wow, on peut mettre 1000 personnes. Il me demande si elle connaît la game version clone ou Expantic Front. Là, je vois pas quel est le message de. Est-ce que t'as quoi comme fenêtre là en fait? Bah, c'est. Oh, ça y est, je vais être obligé d'ouvrir mon écran. Ce que je n'espérais pas. Ce que là. Et tu peux l'ouvrir directement dans. Sinon, je vais mettre 40 ans à expliquer. Il me demande ça. Tu prends. Configuration, c'est quoi? Non, fais pas ça. Non, pas configurateur. La clone. Attends, je vérifie. Attends, bouge pas. Tu prends la clone. Tiens, j'ai ton rotin. Ok. Lush. Un orage naturellement et c'est déclaré. Tu peux arrêter le partage. Oui. Ouais, un orage, ouais. Eh bien. GG Torota. Ah, oh, fuck. Bon, pas grave. De toute façon, ça ne manque. Ça marquera que la création de la partie multijoueur.
Ah, mais on a déjà eu le problème la dernière fois. Je vais me reprendre un peu de brioche. Oh là, attends, je fais des bêtises. Le jeu est maudit pour moi. Pas capable d'accepter les connexions HD. Je dis, moi. Fibre. Excusez-moi. Et si toi, t'essayais d'héberger pour voir. Ouais, il faudrait déjà que j'arrive à me... Attends, j'ai quitté. Le gestionnaire des tâches, lève-moi le truc. Ah, okay. Je vais te lancer mettre la partie. D'accord. Déco. Voilà, t'es maître de la partie. Ça va changer quelque chose, mais pourquoi pas. Voilà. Waouh. D'accord, donc il y a Bastos qui commence à me presser en plus. Ah bah vas-y, va voir Bastos, on fera ça tout à l'heure. C'est plus important de préparer le stream. Ah, il a dit qu'il n'était pas encore prêt, qu'il lui fallait voir un dernier détail. D'accord. D'accord, bon, je fais start, on verra bien. Donc je me prends pareil que toi, campagne. Mais c'est déjà sélectionné. Je taquine Torota. Enfin, c'est déjà sélectionné. Non, c'est pas sélectionné. Ah, là ça marche. Mais est-ce que toi tu vas pouvoir rejoindre? Ouais, j'ai réussi. C'est encore l'UAC qui t'a bloqué. Tu aurais enlevé les trucs de compatibilité qu'on avait faites. J'ai déjà en tête 10 supérieur, déjà. Eh ben. Mmh, il fait fort. Normalement, je te vois pas dans la partie. Tomouf, comment tu vas, Tomouf? Préparation de la partie multijoueur. En anglais. Setting up multiplayer game. Mais je te vois pas, je vois que marqué que fun. Oui, c'est normal, je suis en train d'essayer de me connecter. Ah, autant pour moi. Salut, Tomouf. Enfin, le jeu essaie de me connecter, mais il n'y arrive pas. Non, bah ça va être trop long. Il y a un problème de réseau. Oui, presque, ou pas. Ce que je te propose, Sunfan, oui. C'est que... Après, il faut refaire la manipulation, mais tant pis. Parce que là, on a tout flanché en l'air. On fera ça tout à l'heure. Non, ça va être trop chiant. Ça va être trop problématique. Attends, trop problématique. J'ai quoi dans le coffre, là ? Ouais, ça va, Tomouf ? Parce que les manipulations qu'il a faites, le jeu, il aime pas. Tomouf est en train de tous nous saluer dans le chat. C'est bien, dans l'ensemble, on va bien, Tomouf. Bonsoir, Tomouf. Dragon Sky, tu te souviens de Tomouf ? Ah, oui, oui. Ah, punaise, aïe, aïe, aïe. Claquer les doigts sur le bureau. Oh. Ah. Allez, hop là, je me fais tirer comme un lapin. Bah oui, écoute, tu dis pan pan. Et JD, je trouve que le Minecraft dans le Discord apporte de la vie dans le serveur. Ouais, ouais, ouais. Donc il faut que je remette les droits d'administrateur et compagnie, c'est ça? Non, en fait, il faut remettre les compatibilités de base. C'est-à-dire, tu vas sur. C'était lequel? Comme on a renommé, il faut tout recommencer. Allez, j'ai fait un coup de troll pour faire rire le sage. Hii. Tac. Oh non. Tac. C'était pas que c'est quoi? Je me fais piquer à mort par un cactus. Voilà. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, tu t'es d'accord en fait. C'est pour faire rire un peu, voilà. C'est Tom et Mazo, ouais. Oh, c'est qui lui? C'est alors, fun. Attends, il m'envoie un message chez vous, je crois qu'il y a un dragon. Yeah. Non, moi je joue pas avec Franky, c'est peut-être Franck. Non, moi je joue pas avec Franck. Hein. Ah non. Hein. Non, Franck reste dans le passé. Hein. Je vous jure, il y a un gars qui s'appelle Franky. Oui, oui, merci, J-Club. Excuse-moi, Tomouf, je t'avais pas lu. Oui, vas-y, viens, Tomuf, t'es le bienvenu, évidemment. Le gars, il croit que je vais faire une partie avec lui. Oh, il m'a contaminé la bouffe, le zombard. Bon. Contaminé la bouffe. Mais déjà, on va tout faire là. Mmh. Est-ce que tu peux retourner dans le dossier du jeu game, FunFan? C'est encore le temps, il est moins 10. Alors, c'est cool, je suis dans... Voilà, j'y suis. Tu cliques droit sur... le Battlegrounds avec les têtes de troopers sur fond rouge là. Ah. .x1
En fait, tous les exécutables Battleground 1, Battleground sans rien et Battleground X3, tu vas les renommer. Tu vas cliquer droit dessus. Les compatibilités, tu vas tout décocher. Ah, d'accord. Donc, en tant que XP, administrateur, faut décocher. Oh, j'ai pas fait exprès, j'ai déclenché une capture d'écran. Oh, mais il est chiant, lui. Une capture d'écran involontaire. Ouais, mais ça va peut-être être la meilleure. Ah, ce coucher de soleil, il est magnifique. Oui. Ah, les archers enchantés. Oh non. Fuyons. Courage, fuyons. Prends notre courage à deux mains et on prend la fuite. Bon. Désolé, il y a l'autre qui me perturbe. Là, je sais même pas qui c'est, il m'harcèle. Donc, je lève tous les exécutables Windows XP, c'est ça? Non, oui, dans les options clic droit, propriété, ouais, option de compatibilité, tu décoches XP et puis administrateur. Alors, administrateur, il est déjà décoché. Ok, c'est bien. Il veut rentrer dans ta partie, je crois. Oui. Tu t'as pas quitté. Ça m'a foutu la frousse. Puis, je te fais sacrément sombre, moi. Pourtant, il y a toutes les torches qui sont allumées, mais il fait extrêmement sombre. Voilà, dehors. Voilà. Donc, normalement, là, si tu lances une partie, ça va marcher. L'orage m'a fait peur. J'aurais pu me faire foudroyer. Toi, mec. Ouais, pareil. Tu peux bloquer les. Attends, une fois que tu peux bloquer les. Je suis à la maison. De privacité. Tu peux. Mettre les messages venant de ce que tu veux. Et tu peux bloquer les joueurs, tu peux bloquer les gens. Et tu peux bloquer, mettre les messages bloqués pour les utilisateurs bloqués. Je lance la partie, c'est ça? Bah attends, je vais te rejoindre. C'est toi. Attends, je vais héberger une partie. Il me troll. Je t'invite dans la partie. Je sais même pas où je peux l'inviter, il est pas dans mes amis. Non mais tu peux le ban. Non mais je t'invite toi. T'es ouverte. Pour laisser la porte ouverte. Bah, qui c'est qui a ouvert les portes? Dans les options, tu peux virer des. Okay. Voilà, super. Si tu savais, mort de rire. Ah, tu peux être coupable. Ah, c'est bien. Tomouf a trouvé son bonheur. Campagne. Comment on va prendre la campagne? Voilà, là ça marche, super. Bon. Parce qu'il y avait les autorisations, l'UAC qui te bloquait en fait. Je mets random, je mets au pif. Tac. Tac. Alors, vous en sortez pour votre truc de Star Wars? Bon, on va voir. Mais bon, ça fonctionne bien. Un vrai test, puisqu'après, Bastos, il va m'appeler, mais bon. Oui, voilà. Tout à l'heure, Tomo. Mais prêt, fan. Wow, population 1000, mais t'es un fou, toi. Oui. Tout à l'heure, Tomouf, je t'élèverai au rang de VIP dans mon Discord. T'auras plus de droits. Je te fais totalement confiance, on se connaît depuis longtemps. Le singe, il y a un petit souci. Dis-moi tout. Alors, dans une zone où je suis là, je te dis la localisation exacte à peu près. L'accès souterrain minage danger. Tu vois bien le côté où il y a les vitraux là. Oui. Il y a de l'eau qui coule en extérieur. Ça, c'est pas normal, ça, par contre. Je te confirme, je l'ai vu et je m'apprête à réparer. Merci de ton signalement, Dragon Sky. Fun, c'est mieux. Oui, c'est mieux, super. Ah, super, donc le jeu fonctionne. Ouais, bah, et on joue à l'extension numéro 1. Waouh, HD, j'adore la musique. En plus, en HD, le jeu est plus fluide. Du moins de la. Oui, c'est 60 FPS maintenant. Avec le patch. Les animations sont pas en 60 FPS, mais les mouvements, si. C'est déjà mieux. On est en train de vous rendre un jeu qu'on doit vous streamer plus beau, plus agréable, plus moderne. Attends, je marque. Ça fait problème. C'est un mal pour un bien. Et on va voir si ça déconnecte. Ça m'étonnerait pas. Ce que tu peux faire, c'est laisser le jeu tourner en arrière-plan. Moi, je vais faire pareil. Et on verra s'il déconnecte. Et pendant que tu passes en là, tu coupes le son du jeu et puis tu vas chez Bastos. Ok.
J'aurais peut-être dû prendre un cheval. Un truc comme ça. Ah, voilà, tu voulais le patch HD, je t'ai trouvé le patch HD. Super, j'ai même pas eu la peine de chercher, j'ai même pas pris la peine de chercher. Enfin, si, j'ai cherché un peu. Ah, c'est carrément un cube. Ah, il y a des saccades, pardon, sur le live. Ah, merde. Mais ça va être la fin, donc... A tout à l'heure, Edge chez Bastos. Dans quelques instants, je vais faire la pub à Torota, parce que Torota, justement, diffuse de son côté mon serveur Minecraft, pour ceux que ça intéresse, ça fera des prolongations. Mais je ferai le relais de chaîne à Bambastos, histoire de changer les goûts et les couleurs, proposer du catch, ils vont parler de catch entre eux. Mais moi, de mon côté, je vais continuer à jouer à Minecraft ce soir, mais vous me verrez, pour ceux que ça intéresse, du côté de chez Torota. Je vous ferai la pub dans quelques instants, vous inquiétez pas. Bah, du ceux qui auront déjà repéré Torota sur mon chat, voilà, il est là. Je vous vois, les gars. Je vous ai vu, c'est vous les coupables. Allez en prison. Bric. Non, je déconne. N'importe quoi. Alors, réparons les dégâts. Ah, oh, il y a un zombie en plus en même temps. Magnifique. Manquait plus que ça. Tac, 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 et tuk, et tuk. Ensuite. C'est moi, je vois 3. Réparer, mais manque un peu de cailloux. Voilà. Ouh, j'aurais pas du tout. On a rien vu, on a rien vu. Ah, bah là, il manque du bois. Là. Non, c'est moi qui ai basculé. Là, il manque du bois. Il manque de la redstone, ouais. Remarque, ça fait une fenêtre. C'est rigolo, ça fait une fenêtre. Non, la redstone, c'est bon. Oh, regarde, on peut passer en x8. Ça fait une fenêtre. En x4, c'est violent. Voilà. Oh, attention, Dragon Sky, tu le fais allumer. Oui, va en face. Va dans la maison, il y a un lit à l'étage. Va dans la maison, il y a un lit à l'étage. Ouais, je fais ça en x8. Oh, putain, c'est inquiétant. x10. Ouh, vas-y, trop de puissance. Tu vas y arriver, Dragon Sky. Tu vas y arriver. On peut aller jusqu'à combien? Bah, x10, c'est le maximum, apparemment. Oh, j'aurais voulu x11, c'est nul. Voilà, comme d'habitude. Ouais, le chiffre 11 est le chiffre stigmatisé. D'ailleurs, quand j'étais petit, ça étonnera même pas le sage, à mon avis. Mm-hmm. Quand les tables elles allaient jusqu'à la table de 10, je rajoutais, je faisais la 11e. C'est-à-dire, quand on me donnait un papier avec les 10 tables, je rajoutais avec un stylo la 11e. Eh ben. C'est toujours ça. Ah, il faut du bois. Aïe aïe aïe. Il faut des maisons. Viens le x10. Non. Il y a un Enderman. Oh punaise. Et t'as pas de bol. J'ai pas de bol, ouais. Ça, tu peux le dire. Aïe aïe aïe. Au secours! Je vais peut-être tomber dans les limbes si je vais trop vite, ouais. Ah, Ali, ouf! Ah, bravo! Tu parles de carte immense ou quoi? Nouveau succès. Bon, ça déconnecte dodo. Pas. Tu sais que c'est encore? Je pense que ça a réglé le problème. Non, c'est que c'est dodo. Voilà. Oui, ah, c'est toi. C'est ça. Ben. Attends, je pense que ça. Peut-être que, peut-être, on va voir. Hein, mais là, il est, c'est leur H. Hein, ça y est, une minute moins. Leur H moins une minute. Je vais à un endroit où je mettrai plusieurs lits à côté pour éviter de chercher. Ouh, la H, il y a du monde. La dernière résolution HD, ça n'a pas, comment dire. Les écritures sont toujours aussi petites, mais elles vont pas. Tu peux les changer. Ouais. Les rendre plus grandes dans le configurateur. On peut rendre les écritures plus grosses? Oui. Ah, faut que tu montres où ça, parce que c'est vraiment très petit et ça m'embête de faire cette écriture. Okay, il y avait marqué sur le pad qu'il y avait un zoom. Comment on peut pas avoir le zoom? Ah, le zoom, ça serait bien ça. Mais c'était sur le patch là qu'on a vu? Ok. Ouais, c'est ce qu'il avait marqué sur. Désolé. Ok, donc ça rentre. Bon.
Ouais, mais j'ai pas regardé. Je suis sur un lama marchand. Oh. J'ai un lama marchand. Bon. Bon, je tournais. Je vais devoir vous laisser, hein. Pas mal. Ok, okay, à plus, jeu tourné, fan. À plus. Bon catch. Du coup, tu repars dans les enfers. La notification de Bastos qui prend son antenne, j'attendrai 5 minutes le temps qu'on passe son délai d'intro pour hop débarquer et puis voilà. Moi, ça me laissera le temps de saluer tout le monde. Ça fait faire la pub à Torota juste avant. Ah ouais. L'âge du fer. Il faut maintenant, faut faire l'âge du cuivre. Maintenant. Tu m'étonnes. Il y en avait un juste à côté. Ils veulent le sien, Torota. C'est pas grave. Et vous êtes à chacun où, son établi. Ouais. Vous êtes dans la Syrie là. Exactement. T'as tout compris, Dragon Sky. Ah, t'as ouais, coup d'œil. Je viens de voir. J'ai l'œil. Bien vu. Ah, ça y est, Bastos vient de lancer depuis une minute. Bon bah c'est bien. Ouais, voilà, j'ai fait la pub ouais. À Torota. Bon. Je vais le faire depuis le. Allez, go. Depuis la tablette. Hop, bougez pas. Hop, je me suis écrasé comme une merde. Voilà. Pardon, je me suis cassé la cheville. Comment dire, voilà. Alors, je vous fais la pub de Torota. Pour ceux qui veulent voir ce soir la suite de nos aventures, mais du point de vue de Torota sur notre serveur Minecraft, c'est notre maintenant, on est plusieurs. Voilà, n'hésitez pas. J'ai attendu les 10 minutes de Discord, le sage de Nancy. Oui, oui, c'est parfait. Oh merde, t'es mort par un creeper, mon pauvre Dragon Sky. Oh les boules. Non, j'ai esquivé, mais il y a eu un lag et ça a eu un. Oui, voilà. Et ben moi aussi. Ah non, à secours. Bon bah je suis pas loin, mais Crotum. Ah si. Comment ça, toi t'es loin? T'as pris un lit trop loin, toi? Tu sais, tu t'es pris le creeper. Oui. Ah. Mince commis. C'est ça. Allez, un creeper pour chacun. Oh, je suis plus assez après toutes mes morts. Oups. Ouais, il a détruit 54 morceaux de terre quand même. Eh ben. Viens là, moi, une ressource naturelle au moins. Aïe. Attendez, je vais rendre mon antenne sous peu. Puisque. Voilà. Puis je ferai mes manips, Tomouf. T'inquiète pas, dans 5 minutes, t'es VIP, promis. Minute papillon. T'es mort, le sage? Oui! Je me suis pris une explosion de creeper. Oh, t'inquiète pas, ça va être clippé. Il a fait un trou. Oh oui. Sacrée explosion. Bah, j'ai la chance de retrouver des briques de construction. J'ai vraiment du bol. Je vais refaire mes fausses bûches, là. En... Voilà. Hop. Tac, ça c'était là, je crois. Ah merde, il y a une lanterne qui est tombée. Elle était où? Elle était là, je crois. Ouais, ce serait somme toute logique. Non, la lampe torche, elle était là. La pelle, elle était là. C'est ça. Là, j'avais ça là. Ça, j'avais ça là. Voilà. Ou comme ça. Oui, c'est pareil au même. Je suis revenu à la normale. Et donc, je vous ai fait la pub hein, de Torota 77 pour ceux qui sont intéressés. Nayette vient de nous rejoindre. Ouais. Youpi. Mais je vais faire relais change chez Bastos. Alors, moi, j'essaie de... Attends, je vais me mettre en sécurité. Je vais me mettre à côté de Toyota. Ça y est, j'ai... Là où était Torota dans la... Ah, c'est fluide, là. Mais la version protégée de la Syrie, voilà, je me mets là. Ce qui m'évitera d'avoir un désagrément. Le temps de remercier tout le monde d'avoir été là. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Et voilà, à la Syrie, du coup. Ouais.
Alors, merci. Je vais regarder rapidement mon historique de chaîne avant de faire le relais de chaîne à Bastos. Oui, j'ai vu, Fulfan, merci. Ah, j'ai vu, attendez. Merci, Dragon Sky, pour ton relais de chaîne tout à l'heure. Merci d'avoir renouvelé ton abonnement ce matin. Encore merci, Fulfan, aussi, pour la même chose. L'anonyme qui a offert un abonnement sur ma chaîne Torota ce matin même. Et Poupon qui a aussi renouvelé son abonnement. Merci tout plein, vous êtes adorables. Donc, je vais faire le relais de chaîne de suite à Bambastos. Voilà, en vous souhaitant bon fin de dimanche là pour le direct. Donc n'hésitez pas à aller voir Torota si vous voulez voir la suite de nos aventures, mais de son point de vue. Ensuite, me concernant, vous me retrouvez peut-être jeudi. Peut-être que je diffuserai jeudi en journée. Je vous tiendrai informé dans mon Discord. Ce que je pense qui est quasiment certain, c'est que vous me verrez diffuser vendredi. Exceptionnellement vendredi, du matin au soir. Enfin, au soir. Jusqu'à 16h30, il y aura Christella. Je lui ferai un relais de chaîne. Peut-être jeudi, à coup sûr, vendredi, dès 9h du matin, je diffuserai. Puisque le week-end, je ne serai pas là, c'est pour compenser. Voilà, prenez soin de vous, merci pour tout, merci de votre présence, n'hésitez pas à m'écrire, par exemple, je peux vous mettre l'adresse mail si vous voulez m'écrire un message, vous avez le Discord, vous avez des messages privés, j'espère que vous saviez comment ça marche, vous pouvez me contacter, et dès que j'ai le temps, j'ai grand plaisir déjà, un, de vous lire, mais deux, de vous répondre, voilà. Merci à vous les amis, ceux qui étaient présents en vocal, nous on va continuer des prolongations, mais j'aurai l'aisance de ne plus être en direct, qui va me permettre de m'octroyer quelques petites libertés. Je vais surtout m'empiffrer du restant de la brioche. Elle est trop bonne. Merci. Eh oui, Fulfan demain par exemple, vers 14h, je pense qu'il prendra son antenne. Bastos aussi, il va reprendre, c'est merveilleux. Attention, je vais écouter ce que me dit Bastos, il va sûrement me faire un petit coucou. Attendez, j'ai pas zappé chez Bastos. Merde, je vois même plus, il est où? Il est là. Oh là, il y a du monde ce soir. Je vais couper ma diffusion. Et je vais couper mon enregistrement juste après.